Youpi, bonjour tout d'abord. Bonjour, cher élève. Youpi, nous venons d'atteindre et même de dépasser légèrement la barre symbolique des 5000, de 5000 quoi? Des 5000 abonnés. 5000 abonnés sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Bah, voilà, je voulais te remercier pour ta fidélité et surtout ta motivation à vouloir jouer de la musique sur cette chaîne. Bah, je vais faire un petit peu le point quand même sur la chaîne YouTube. Pas un point historique parce que là, ça va prendre un moment. Mais en tout cas, sur cette chaîne, tu as la possibilité d'apprendre à jouer de plusieurs instruments. Ukulélé, harmonica, flûte, didgeridoo, apprendre à créer des chansons, etc. C'est surtout de l'harmonica, mais tu as aussi d'autres cours. Et surtout, y a pas mal de vidéos en fait sur cette chaîne. Il y a des vidéos qui sont, on va dire, des vidéos traditionnelles que je prépare, qui sont montées et ensuite diffusées sur la chaîne. Il y a beaucoup maintenant de vidéos en live. Et on fait ça depuis plusieurs mois maintenant et ça marche super bien. Et donc, j'avais fait quelques tests avec des cours un peu différents. Et finalement, j'ai gardé ce qui vous plaisait le plus, ce qui plaisait le plus au plus grand nombre. Donc, je te fais un résumé du programme de la semaine. Et je t'annonce un nouveau rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Le lundi matin à 7h, alors évidemment, si tu n'es pas là à 7h du matin, ce n'est pas très grave, puisqu'évidemment, sur YouTube, sur la chaîne YouTube, tout reste, hein, j'enlève rien. Donc, si tu n'as pas la possibilité de voir ça à 7h du matin, ben, tu peux voir un peu plus tard. Pour ça, il suffit tout simplement de t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour recevoir une info des nouvelles vidéos par email. Comme ça, tu sais que Chloum, tu peux cliquer sur la vignette et arriver directement sur la vidéo. C'est quand même très pratique. Donc, le lundi matin à 7h, je te propose un exercice rythmique. Alors, j'appelle ça l'exercice de confinement parce que plutôt que de dire le nom des rythmes, j'invente des phrases. Quand tu les dis, eh ben en fait, on a déjà le rythme que je propose dans l'exercice. Donc, ce sont des phrases humoristiques sur le confinement. Et donc, en répétant ces rythmes inlassablement, bah, tu finis par les retenir vraiment, tu les as vraiment en tête. Et tu n'as plus qu'à prendre ton instrument et improviser avec un rythme imposé. Et comme tu es tout le temps sur le même rythme, tu as toute la liberté pour penser à tes notes. Voilà. Donc, c'est une méthode d'improvisation. Et donc, j'ai baptisé ça les exercices de confinement. Donc, ça, c'est chaque lundi matin à 7h du matin. Donc. Alors, le mardi, c'est relâche. Il n'y a pas de point, en ce temps, il n'y a pas de vidéo. Mais le mardi soir, je suis en agora, c'est-à-dire en cours en vidéo avec les élèves de l'École internationale d'harmonica. Je ne peux pas être partout. Le mercredi, c'est un cours d'harmonie jazz. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment écrire des mélodies jazz, surtout d'improviser et d'accompagner des mélodies avec des accords. Ensuite, donc ça, c'est du live, donc tu peux intervenir en direct, et c'est le mercredi à partir de 20h30. Ensuite, le jeudi, dès 20h, c'est un atelier de création de chansons en live. Le principe, c'est qu'une semaine sur deux, je vous te propose des exercices d'écriture pour apprendre à écrire des paroles de chansons originales. Et la semaine suivante, nous écrivons une chanson ensemble, paroles et musique. Le vendredi, c'est réservé au blues. Donc, ce sont des plans harmonica blues. Alors, si tu ne joues pas d'harmonica, ça arrive que des guitaristes ou d'autres saxophonistes ou d'autres suivent ce cours. Parce que, bon, bah, le blues, évidemment, ça peut être joué sur plein d'instruments. Donc, moi, évidemment, je donne le cours pour l'harmonica. Mais évidemment, tu peux adapter les plans sur ton propre instrument. Donc, le principe, c'est que je ne te contente pas de livrer une nouvelle phrase de blues, mais je t'apprends à la jouer en direct et je te pose des questions. Donc, c'est très interactif. On est en gros pour 1 heure et c'est le vendredi de 20h à environ 21h. Et à chaque fois, à la fin de chaque live, eh bien, je t'offre des cadeaux pour que tu puisses continuer de travailler le plan et t'amuser à le jouer sur plusieurs pistes d'accompagnement avec un vrai groupe de blues qui joue. Voilà. Donc, le dimanche soir, de temps en temps, c'est l'épisode de vlog. Quand j'ai quelque chose de vraiment important à annoncer, ben, je fais un épisode du vlog du dimanche soir.
Et à partir de samedi prochain, donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a longtemps, que j'avais arrêté pendant un petit moment et que je vais reprendre. Donc c'est la vidéo du samedi midi. Alors la vidéo du samedi midi, donc c'est tous les samedis à midi évidemment, d'où le nom de la playlist. Alors le principe, c'est que je te joue un morceau à l'harmonica et ensuite, juste après la vidéo, tu as toujours un lien sur lequel cliquer pour pouvoir acquérir un cours en vidéo qui te permet d'apprendre à jouer le morceau de A à Z. Donc c'est un cursus en 7 étapes, en 7 vidéos. Et donc tu as à chaque fois plus de 2 heures de vidéo et je t'explique pas à pas comment apprendre le morceau du déchiffrage de la partition, déchiffrage de la partition de la tablature, jusqu'à l'exécution du morceau et même l'interprétation du morceau et même l'improvisation. Voilà, donc ça veut dire que si tu veux absolument apprendre à jouer un morceau, si c'est un morceau qui te plaît, je te montre en vidéo comment le travailler, on le travaille ensemble, et à la fin de cette vidéo, tu sais jouer le morceau et tu es même capable d'improviser sur une piste d'accompagnement que je te fournis. D'accord? Voilà, donc ça c'est le principe, c'est la vidéo du samedi midi, donc ça va reprendre chaque semaine. Je l'avais pas fait depuis un petit moment parce que bon, il a fallu que je sélectionne quand même des morceaux qui plaisent à tous, parce que c'est quand même beaucoup de travail évidemment de faire les cours, de les filmer, de te présenter le cours, enfin, le morceau sur YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je me suis dit, bah, autant faire des morceaux qui plaisent à tout le monde. Et là, j'ai une bonne cinquantaine de morceaux d'avance. Donc, je vais te faire les cours au fur et à mesure. Et donc, tu retrouveras ces cours chaque samedi midi. Voilà. Donc, à ne pas louper, puisqu'en fait, alors ça, c'est une tradition dans l'École internationale d'harmonica. C'est que quand je lance une formation, quand je lance un nouveau cours, je fais un tarif préférentiel pour le lancement. C'est-à-dire que samedi prochain, samedi midi, si tu veux apprendre à jouer ce morceau, tu bénéficieras d'un tarif préférentiel qui durera jusqu'au samedi midi suivant. Donc, tu auras une semaine pour profiter du morceau. Alors, tu pourras toujours en profiter après, mais tu n'auras plus le tarif préférentiel. D'accord? Voilà. Donc, pour résumer, donc lundi matin, l'exercice de confinement. Mercredi soir, harmonie jazz. Jeudi soir, création de chansons. Vendredi soir, plan harmonica blues. Samedi midi, la vidéo du samedi midi pour apprendre à jouer un morceau d'harmonica. Et de temps en temps, le dimanche soir, l'épisode de vlog du dimanche soir. Voilà, encore bravo, encore merci de ta fidélité, encore bravo de ta motivation. Bonne musique. Et donc, on se retrouve demain matin pour l'exercice rythmique de confinement.